Comment ça s'appelle ce que tu as fait, Léo? Un cadran solaire. Un cadran solaire. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça démontre, un cadran solaire? L'heure. OK. Puis, comment tu as fait là, pour t'installer? Là? Explique-moi ta démarche. À 9h, j'ai mis une roche. Est-ce que tu... Attends un petit peu avant de continuer. Est-ce que c'est la première chose que tu as fait, mettre une roche? On a planté le bâton. T'as planté un bâton. Puis après ça, il était quelle heure quand tu as fait ça? Il était 9h. 9h, donc, la première roche, elle représente quelle heure? Puis, tu l'as fait jusqu'à quelle heure? Jusqu'à... Dix heures? Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, mais c'est 9h, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 heures. Hein, c'est ça? Donc, ce qui veut dire que tu avais du soleil à ton endroit jusqu'à 18 heures. C'est ça? Parfait. Donc, explique-moi ce que ça veut dire chaque roche. Ça veut démontrer les heures. Ça démontre les heures. Est-ce qu'on est capable de lire présentement, il est quelle heure avec ce que tu as fait? Ben... Là, on voit que l'ombre, elle arrive jusqu'ici. Mm-hmm. Fait que là, ça, c'est quelle roche? Ça, c'est la 14h. Puis ça, c'est quelle roche? 15h. Donc là, ici, ça veut dire qu'il serait quelle heure? 14h40. Oh, je sais pas, oui. Et à peu près 14h40. Wow, Léo, c'est très bien. Est-ce que tu as rencontré des difficultés, toi, dans ton cadran solaire? Non. Non? Est-ce que tu as eu suffisamment de soleil à ton endroit? OK. Puis si on compare ton endroit à celui de Noah, est-ce que tu dirais que ton endroit est mieux ou moins bon que celui à Noah? Mieux. Pourquoi mieux? Parce qu'il est plus écarté des bâtons des autres. Il est plus écarté des bâtons des autres. Puis y a-t-il d'autres choses qui pourraient dire que toi, ton emplacement est mieux que celui de Noah? Les dernières roches à Noah, là, où est-ce qu'elles sont? Dans la côte. Dans la côte. Alors que toi, tes dernières roches sont toujours où? Là. Sont à plat, hein? Ouais. Fait que ça nous... ce qu'on nous demande quand on fait un cadran solaire, c'est que notre place soit à plat. Ah. Et toi, est-ce que ça respecte ça? Oui. Excellent. Toi, tu es en quelle année, Léo? Première. Première année. Merci beaucoup, Léo.